Alléluia, nous gardons un bel bonjour à la Guadeloupe. Guada, sache que maman. Et puis, je voulais remercier ETV pour possibilité de l'occasion nous trouver comme nous là-dedans pour nous dire vraiment que bon Dieu a béni. Et béni aussi les techniciens et les responsables de ETV. Nous les disons grand alléluia. Merci bon Dieu pour tout cela. C'est pour ça, bon matin, Pasteur Logien. Oui, nous saluons, nous disons bonjour à tout le monde. Donc, nous vous saluons dans le bon et merveilleux nom de Jésus-Christ. Et nous vous disons vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et puis, nous disons bonne émission à chacun de vous. Nous bénissons aussi cette télévision ETV. Longue vie à ETV. Vraiment, que la grâce de Dieu puisse se multiplier dans ce studio, dans cette entreprise au nom de Jésus-Christ. Et que la porte qui est ouverte maintenant pour l'évangile à travers cette télévision reste ouverte au nom de Jésus et que les âmes soient sauvées, soient bénies à travers cette émission au nom de Jésus-Christ. Bonne émission. Alléluia. Nous gardons son bon à dans Somme 25, verset 4 et puis 5. David qui a dit l'Éternel. Alléluia. C'est où? Éternel, fais-moi connaître tes voies. Est-ce que à partir d'aujourd'hui, il y a plus grand prière au PFE? Monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, lorsque vous passez des moments difficiles, que Yishou ou en confusion, que division qui a tombé dans les terrains, que nous avons les familles divisées, et c'est ça nous avons dans les îles à présent. C'est en l'esprit de division qui a les terres, qui a les terres, qui a l'argent, qui a dans les familles. L'Éternel, cadeau comme ça, David dit l'Éternel ça. Un homme selon le cœur de Dieu. Écoute ce qu'il dit. À l'Éternel. L'Éternel, fais-moi connaître tes voies. Et puis qui ça? Enseigne-moi tes sentiers. Oui. Et conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. La prière parfaite qui est là. Tu matches ça, la prière parfaite qui est là. Vous savez, parce que David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Oui, qui a écouté moi aussi là, le jour que au point de décision, tu as dit Seigneur comme ça, fais-moi connaître tes voies, eh bien, tu seras un homme, une femme selon le cœur de Dieu. Parce que vous marchez dans voie, mon Dieu. Et pourquoi dit, enseignez-moi, sentier. Et puis, qui s'est regardé là, conduis-moi. Dans ta vérité. Dans ta vérité, pas dans ta moyen, dans ta vérité. Et instruis-moi. Et instruis-moi. C'est la plus belle prière qu'on peut faire bon matin. Alors, nous allons dans Somme 18, verset 31. 34. Somme 18, verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. La parole de Dieu est éprouvée, mon ami. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Tout le monde qui a confié quoi en l'Éternel ou ni un bouclier devant. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Alléluia, il n'y a pas ni d'autre. Il n'y a pas ni d'autre. Assez souvent, nous allons faire de l'Éternel d'autres dieux. Nous allons nous faire des dieux en la chaux, des dieux en bois, des dieux en fer, des dieux en bronze. Mais c'est à yo pas ni la parole, yo pas ni lettre, yo pas ni le vouloir, yo pas qu'à faire rien. Vous comprenez? Yo pas qu'à parler, yo pas qu'à rire, yo pas qu'à respirer. Mais quittez-moi nos bagages. Bon Dieu dit pas qu'à prendre plaisir dans ça. Fais attention. Ou que ouais ça dans Deutéronome et 5 par là jusqu'à 8, ou que lit tout ça, ou que ouais que bon Dieu pas qu'à prendre plaisir de Dieu mort. Mais regardez, je dis là, nous capables d'en un Dieu vivant, ressuscité, qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui intercède pour toi. Nous voulons te prouver que notre Dieu, notre Jésus que nous parlons là, il est réellement vivant. Alléluia. Il guérit, il délivre, il restaure. Et sous les ouais des belles démonstrations, mandez mon témoigner bon. Parce que vous avez tout le monde qui a venu, qui a parlé de Jésus, c'est des gens qui ont des témoignages. C'est que vous avez tenu à côté, vous vivez dans l'impossibilité, et bon Dieu mène ça possible. Alléluia. 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 Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Ouais. Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Ouais. C'est Dieu qui me ceint de force. Alléluia. Et qui me conduit dans la voie droite. Ah, eh bien, où est-ce que ça? Nous allons dans l'autre somme là. Somme 10, verset 5. Alléluia. Somme 10, verset 5. Ouais. Donc, ses voies réussissent en tout temps. Ses voies réussissent en tout temps. Mon frère, c'est pas la réussite, ou quoi, j'ai. Ouais. Guada, si vous cherchez la réussite, vous pouvez trouver d'autre côté, hors de la parole, bon Dieu.
Et c'est seul monde où que voit ça dans Exode 15, verset 26. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit. Et je ne te frapperai d'aucune maladie que j'ai frappé les Égyptiens. Ouais, tout le monde qui est bon soulagement, en ce moment, regardez mes copes, regardez les bagailles, tout le monde paix. Mais je dis à tout pied vira, puis guarda vide. Mais écoutez-moi, nous, bon Dieu, pas jamais vidé. Les voix de l'Éternel, ça renouvelé tous les jours. Tous les jours, ça va renouveler. Et les voix de Dieu réussissent en tout temps, mon frère. Regardez Somme 77, verset 14. Et puis, passez le jeu qui partage. 77, verset 14. Verset 14. Mm-hmm. Ô Dieu, tes voix sont saintes. Oui. Quel Dieu est grand comme Dieu? Mm-hmm. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Ouais. Par ton bras, tu as délivré ton peuple. Et sur là, ça c'est David qui t'a parlé là, mais actuellement, mi bon Dieu qui a bonne réponse là. Réponse bon Dieu qui a trouvé quoi? Dans Somme 32 verset 8 et puis passez le Jean Capon. Somme 32 verset 8. Ça c'est la réponse de Dieu pour les hommes. Oui. Je t'instruirai. Ah, le Seigneur te dit, mais si tu viens à moi, je t'instruirai. Et te montrerai la voie que tu dois suivre. Et je te montrerai la voie que tu dois suivre, parce que tu ne vois pas la voie que tu dois suivre si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Je te conseillerai. Et je serai ton conseiller. J'aurai le regard sur toi. Et je veillerai sur toi, je regarde comment tu marches. Alléluia. Ne sois pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Pas faire comme ces monde là qui vient parler ba yo dit bon Dieu, yo ka do yo yo pas besoin de tenir, yo pas besoin de tenir, yo pas besoin écouter. Frère Fondor ça je dis à quel un monde vient parler ba ou même si vous parlez ou senti ça dérange, mais écoutez ça ka do là parce que parole t'a permis nous dans la réussite. Parole t'a permis nous dans le succès. Et c'est pour ça bon Dieu dit à dans Josué 1er que le livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite la jour et nuit, et c'est alors que tu auras du succès, et c'est alors que tu réussiras de tout ce que tu entreprendras. Amen. Ou tu ne sais pas quitter le livre, éloigner quoi il dit, ou pas quitter sortir en basio. Ou quoi tu fais ça dans Proverbe 4, verset 20. Il dit, prête-moi tes yeux, donne-moi tes oreilles, donne-moi tes cinq sens pour que je puisse t'instruire et te conseiller. Que mon Dieu qu'a béni au matin. Alléluia. Alléluia. Et c'est vrai, le psaume nous dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Ça veut dire qu'il faut laisser Dieu nous instruire, il faut écouter la parole de Dieu. Pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses avancer dans la vie, la Bible c'est ta boussole. La Bible c'est vraiment une direction pour ta vie. Donc si vraiment que tu puisses, que ta vie puisse avoir un sens, lis la parole de Dieu. Mm-hmm. Crois en ce qui est écrit dans la Bible. Mets la parole de Dieu en pratique. Que Jésus-Christ soit ton guide. Que le Saint-Esprit, le Consolateur, soit ton conseiller, soit ton guide. Parce que c'est lui le Consolateur. Jésus-Christ a dit que je vous laisse un Consolateur. Voilà, le Saint-Esprit, c'est lui qui te dirige dans toute la vérité. Donc mon ami, mon frère, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, si tu veux que ta vie puisse avoir un sens, si tu veux avoir le succès, la réussite, la prospérité, il faut vraiment donner ta vie à Jésus. Voilà, laisse Jésus-Christ entrer dans ton cœur. Tu l'appelles, tu lui demandes de devenir ton sauveur, ton Seigneur, ton maître et ton Dieu. Et tu le laisses te diriger. Et quand tu laisses Jésus te diriger par sa parole, à ce moment-là, tu auras du succès. Tu auras, ta vie aura un sens et tu seras un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. À ce moment-là, vraiment, tu vas glorifier Dieu dans ta vie, dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. Les gens même autour de toi, dans ton foyer, dans ta famille, vont reconnaître en toi un changement. Ils vont reconnaître que Dieu est avec toi. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Donc, nous bénissons l'Éternel pour sa parole. Nous bénissons Jésus-Christ pour le Saint-Esprit. Nous bénissons Jésus-Christ pour cette émission sur RTV. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, ce qui fait que la parole de Dieu est toujours là pour nous éclairer. La parole de Dieu dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur notre sentier. Mm-hmm. Donc, vraiment, utilisons la Bible. Ne laisse pas la Bible ouverte simplement dans la maison, sur une table de chevet, dans le psaume 91, ni dans le psaume 23. Mais c'est quand tu lis la parole et que tu mets la parole en pratique que ta vie changera, que ta vie sera meilleure. Vraiment, que tu vas connaître vraiment la volonté de Dieu. La Bible n'est pas un fétiche. Et pasteur Alain, mm-hmm. La Bible n'est pas un fétiche. Il y a beaucoup de gens qui utilisent la Bible comme un fétiche. Ils pensent que c'est en laissant la Bible ouverte dans leur chambre ou dans leur voiture qu'ils sont protégés. Non, mon frère, même si tu récites le psaume 91, mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, quelle protection que tu as?
C'est lorsque tu es en Jésus-Christ, lorsque tu deviens un enfant de Dieu, que le Saint-Esprit est avec toi, est en toi, à ce moment-là, tu es sûr que tu es en sécurité. Donc vraiment, réfugie-toi dans les bras de Jésus. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc si tu veux avoir du repos, mon frère, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, viens à Jésus par la foi. Adresse-toi à Jésus. C'est lui le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux que ton âme soit sauvée, si vraiment que tu puisses trouver le repos, c'est seulement en Jésus. Tu ne peux pas trouver le repos ni dans l'alcool, ni dans le sexe, ni dans les jeux, ni dans la débauche, ni dans les choses impures et abominables. Mais le vrai repos se trouve en Jésus. Si tu as du mal à dormir, tu es insomniaque, et pourtant tu as un beau matelas, tu as un matelas vraiment confortable, mais peut-être que tu n'arrives pas à dormir. Peut-être que tu as beaucoup de choses dans ta maison, tu as beaucoup de biens, mais tu n'arrives pas à dormir en paix. Tu es agité, tu n'arrives pas vraiment à être dans le repos. Laisse tout à Jésus. Voilà, par la foi, adresse-toi à Jésus. Peu importe là où tu es, tu peux t'adresser à Jésus. Parce que Dieu entend tout, il voit tout, il connaît tout. Et tu n'as pas besoin d'un objet quelconque pour t'adresser à Jésus. Tu n'as pas besoin d'un livre de prière. Tu n'as pas besoin d'un CD. Tu peux t'adresser à Jésus avec tes propres mots. Voilà, que tu sois antillais, que tu sois français, que tu sois... Peu importe, Dieu comprend toutes les langues. Voilà, donc parle avec ton cœur. Parle avec foi, dans la simplicité. Et Dieu va t'écouter. Alors vraiment, que Dieu te bénisse et nous vous disons bonne méditation de la parole. À partir d'aujourd'hui, la Bible que tu as mis sur le chevet, commence à la lire et tu vas découvrir qui est Jésus-Christ. Alléluia, c'est pour ça, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller trop loin. Regardez, on y pasteur Audrey qui allait la voir le peuple, pour un numéro de téléphone qui est là, qui a défilé. Eh bien, je dis, le temps du réveil et de la postérité, qu'a trouvé quoi Guada, qu'a trouvé quoi Guadeloupe. Et des numéros de téléphone, le pasteur Audrey, qu'a trouvé quoi la Jaille. Oui, quartier la Jaille. Quartier la Jaille et. La salle solidarité scolaire. La salle solidarité scolaire. Ou quand venir là, même manière, ouais. Là, ou quand on a pas délivrance sur Martinique, ou quand on a pas délivrance sur tout partout, nous avons passé dans les chaînes télévisées. Je dis, c'est ETV, nous avons béni nos bon Dieu. Délivrance là aussi. On est venu là et viens et vois. Et comme ça, quand tu viens, tu vois, tu peux aller raconter aux autres ce que Dieu a fait pour toi. Et c'est pour ça que ça voulait nous monter ici. En l'eau, mon gouada ka vini, ouais, et voix et viens et voix. Démarche là, le titre de l'église, viens et voix. Là, on a vini, parce que vous savez que ça, c'est où qui l'église là, c'est pas celle-là. Celle-là, c'est une salle pour nous accueillir les enfants de Dieu. C'est où qui l'église là. Bon Dieu dit comme ça, c'est sur toi je bâtirai mon église. Alors, où qui malade, où qui angoissé, où qui attristé, viens et voix. Si ça n'est pas vrai, ou que dit ça n'est pas vrai. Mais si ça est vrai, ou que n'y a un bel témoignage pour raconter ça qui arrive là, que je suis venu, c'est pas, je suis allé ici, j'ai vu combien de personnes handicapées se mettent debout, sortir en chaise roulante, marcher, et si c'est pour appel, ou quand nous avons un petit peu de monde qui a appelé là, et puis on voilà, misère ça qui arrive nous. Que bon Dieu cabe nous, alors nous avons un bagage, branché quand on l'a la parole, papier quand on l'a, ni pièce pasteur, ou quoi là, papier quand on l'a, pièce prophète, pièce apôtre, papier quand on l'a la parole, la louange et la prière, tu ne seras jamais déçu. Que Dieu te bénisse. C'était l'émission La postérité du temps du réveil. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.